Richard Jenkins, bonjour. Une équipe de Langon valeureuse aujourd'hui, hein, même si elle tombe à domicile. Oui, valeureuse encore. C'est de nos points forts depuis le début du championnat. C'est les investissements des joueurs. Je trouve que c'est tous les matchs à 100%. Ce qui nous manque depuis le début de la saison, c'était marquer des essais quand on avait des occasions et tout. Et aujourd'hui, mais on est arrivé à marquer 3 essais contre une équipe professionnelle qui s'entraîne 3 fois plus que nous. Donc c'est des choses positives encore. En plus, niveau défense, ben, on encaisse 2 essais, deux plaquages ratés. Donc ça veut dire que notre système de défense est en place, sauf juste que quelques fautes individuelles. Donc c'est comme ça, alors on est positif à en prendre et aussi des choses pour penser aussi. Comment vous les avez trouvés, vos anciens coéquipiers? Danse, après il y a pas mal de changements par rapport à l'année dernière. Donc c'était bien de voir de nouveaux têtes dans un club que j'appréciais beaucoup. Après très dense. Ça a piqué des impacts, mais on n'est pas aussi loin que ça d'eux, mais il en faut du travail encore. Comment ça se passe pour vous et pour Baptiste du côté de Langon? Ben, c'est un grand changement de vie quotidienne. Ouais. On a passé des années pro, une année amateur maintenant, où on bosse. C'est complètement différent, mais c'est très plaisant aussi de trouver autre chose dans la vie que le rugby et aussi trouver les amis le soir, le week-end aussi. Parfait, merci, bonne continuation. Merci.